Bonjour à tous, bienvenue, l'heure est grave, la galaxie va mal, ils sont là, les Unbidden. Et on s'est fait défoncer, enfin, surtout Slan et moi. Slan par inconscience, non c'est plutôt moi, et toi c'est malprévoyance, t'as pas vu un peu leur site? Non, mais c'est pas grave, c'était pour leur donner un échantillon de mon ADN. Voilà, et du coup, on renaît et on rejoint les copains, bonsoir à Kin, bonsoir à Féa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Salut. De toute façon, je m'occupe plus des planètes, je m'occupe plus de rien. Donc le tronc de Gru rejoint Beer et c'est parti pour la game. Est-ce qu'on commence sans toi ou on t'attend deux épisodes encore? Hey, dis donc, il y en a un qu'on a attendu pendant 18 épisodes, fait. Hein. et on a attendu 35 épisodes, la guerre de King contre l'Imperium. Attends, oui, mais alors c'est la faute de Gru. C'était pas ma faute là, par contre. C'était... Je vous rappelle que c'était de la faute de Gru, hein, si j'ai attendu pour l'Imperium. Donc Gru qu'on attend encore. Hein, mais Gru, il longe la famille là, mais il n'y a qu'un accès, je suis désolé. Gru, toujours prêt quand il faut pas. Moi, 56K là où je suis, c'est pas terrible, comment ça se fait d'ailleurs? Gru, toujours prêt quand il faut pas et jamais prêt quand il faut. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'était gratuit. Hein. Capacité 9. Allez, on remet des technologies. Allez, on va exifrer, on avance un peu. Parce que là, on sent. Ah, c'est énorme. Quand on voit ce qu'il y a en face, tu sais, faut pas trop se précipiter non plus. Bon, bah là, il y a des vaisseaux de construction. Si on les prend un par un. Je pense qu'on peut y aller. Ouais, il y a une petite A200 qu'on peut gérer. Ouais. Allez, on va à Uxtiri. Allez. C'est parti. Il y a sa petite sœur à 400 qui est derrière. En plus, on va tuer un chantier, c'est. On va lui. Un vaisseau de construction, il va trop avoir mal. Bah ouais, attends. La souffrance du gars, non, c'est trop cruel, moi je viens pas. Bon, je m'aperçois que ma flotte a baissé de puissance dès que je quitte mon oui. territoire. Technology, je suis meilleur que chez moi. C'est vrai que t'as le truc d'harmonie. Ouais, j'aurais tendance à dire que la bataille elle est quand même mieux si elle se passe chez moi. Ah oui, est-ce qu'il sait qu'il va tout seul là? On vit des boucliers, allez, hop. Personne y va tout seul. T'as ah si, c'est la famille, avec non, 600. Mais... C'est la famille qui apporte son soutien à la guerre. Bon, c'est cela ça. Dit, là on devrait c'est avoir assez de puissance. Un riche propriétaire qui a envoyé une troupe de mercenaires. Les rares noms pacifiques de. Mais fusionnez les gars, fusionnez, bon sang. Fusion, allez. Attacking enemy vessels. C'est pas fair. Mais la station se défend pas. Je suis assez étonné. Elle vous fait pas de dégâts. Ah, elle va juste de commencer. Quelle station? Ah oui, d'accord. Alors les boucliers là, ils tombent bien. Ah, là, regarde, les points de vie, ils tombent vachement. Ça, c'est mes chasseurs. Oh là là. Voilà. Bon, j'ai perdu rien. Bravo. Je crois qu'il y a une corvette qui s'est pris un point de dégâts. Technology secured. Est-ce que vous enchaînez? C'est très bien qu'on arrive à choper celle à Rujba. C'est quoi? Attends. C'est 2 millions ou c'est 200K? C'est 247. Ouais, 274. 930. Où ça tu veux aller à Rujba? C'est ça l'objectif. Ouais, je pense qu'il faudrait essayer de choper Rujba, comme ça on lui coupe une flotte. Ouais. 275 000, ouais. Moi je dis oui, je suis loin. Hein. Je suis à 2 étoiles de chez vous là. Le Gru il regarde la guerre à la télé, non, tu vois. À la télévision. Oui, c'est vrai. La télé galactique. J'attaque t'aurais pas dû... la station, hein. T'aurais dû prendre le trou de verre. Je rush directement sur Rush Machin. Je l'atteins quand même, près du truc. Ah mince, mes flottes. Archive, sont... attaque pas la station. Mes Archive, flottes sont non là. Ah si, Archive merdouille là. Archive, elle fait ce qu'elle veut. Elle se sent forte là. 130, bah tu m'étonnes. Qu'elle se fasse des pop comme ça, elle sera. Ah, il se déplace vers nous. Ah, vous reculez. Depuis Rujba? Depuis Rujba, et par contre, je sens pas qu'il bouge pour attaque Van. C'est bon, on a le trou à le défoncer. Regarde, toutes mes flottes elles arrivent, ça y est. Hop. Allez, go, Rujba. Je suis désolé, mes viewers, mais. Allez. Infime à ce c'est bon, il a décidé de ne plus de pas aller à Rujba, donc. Bah nous on y va. On va à Rujba, on y va. Ouais. Bah oui, c'est parti. Moi j'ai lancé mes flottes. C'est parti.
j'arrive. Grou, il va arriver, la guerre sera terminée. Oula, attention, il y a une baston là. Il fait là. Ce qu'il peut avec ce qu'il a. Exactement, ça y est, c'est parti. Les flottes... Ah, ça y est, les flottes de matrice arrivent. Ouh, comment elle se fait des pop. C'est bon, ça. Aïe. Ah, quelques pertes. Je suis désolé pour mes viewers, mais si vous voulez voir le combat, regardez-le même sur... Même moi, le... ça rame. Chez Slan, parce que là, le PC ne pourra pas suivre. Mais là, c'est magnifique. On est en train de lui rentrer dans l'art d'une manière assez monumentale. On le défonce, voilà, il reste la station. C'est et bien. Archive était juste derrière, elle a pas attaqué avec ses flottes. Non. Non, bah parce qu'en fait, entre le moment où je donne l'ordre et le moment où les trucs, elles commencent à faire leur demi-tour et à avancer péniblement, c'était... j'avais un tout petit peu de retard et j'avais pas cliqué sur l'étoile centrale, alors je te dis même pas le... J'ai perdu une corvette. Ah bah tu vois, c'est moi j'ai eu quelques pertes. Mais vous savez que je suis avec vous, hein. J'ai eu un croiseur. Excellent. Ah oui, c'est alors, on va attaquer Van. On monte attaque Van, c'est ça? Ouais, on monte attaque Van, on est assez puissant, je pense. Bon, bah allez. Hop, vérifiez vos eddies quand même. Moi, ils durent 27 ans, mais mes eddies maintenant, j'ai plus besoin de les vérifier. Est-ce que tu crois que les eddies, ça va quelque chose? Oui. Moi, ils sont encore actifs, c'est bon. Non, c'est bon. On va juste en 2417, 5 ans d'actifs encore. L'ambition grande flotte, voilà. Non, je sais pas quoi. Non, acquisition générale, allez. Plus 33% de production de minéraux. C'est bien. Au final, ma relique est bien pratique. Ça fait des économies d'alliage au final. C'est quand même donc on saute à attaque van. Qui c'est qui a dit en premier là? C'est moi. Allez. Attends, je dis ça, vaut mieux que ce soit toi que moi. Ah, vous avez sauté déjà? Bah oui, on est bah, là. Quand on dit attaque van, attaque van. Hein, attendez, attendez, je suis pas lancé moi. Pourquoi j'ai un vaisseau qui traîne là? Bah restez bien à l'entrée du truc hein. Oh, non, bah Féa il est parti hein. Et voilà, je vais me faire allumer. Je suis à l'entrée. Vas-y Féa, on y va. Allez, hop. Oui, oui, oui. Merci d'être fois, venu. J'aurais dû appeler ma flotte le bouclier de Grou. J'ai même pas sauté moi. J'ai perdu. Bah qu'est-ce que tu fais là? Allez, on a pas dû aller, on a tué la moitié de sa flotte. Ouais, ça c'est bon, on la pète. C'est bon, j'ai sauté. On a malheureusement aggro la station. Ouais. Putain, cette flotte, j'en ai rarement vu autant de... Ah, moi, j'affiche même pas le système. Je reste sur la carte, quoi. C'est bon. Mon PC, alors... quelques pertes de mon côté, mais rien de méchant. Ouais, j'imagine qu'on va à Polaris. J'ai pas perdu grand-chose. On peut se permettre d'aller à Polaris, ouais. 400. Non, il faut attaquer le portail. Il faut attaquer le portail, ouais. Là, rapidement. Attends, allez, je regroupe mes flottes. Attendez, parce que là, j'arrive pas à cliquer sur mes flottes pour tout. Et lui, il s'est séparé là. Hein. Il s'est séparé. Alors, il a encore plus d'1,5 million, mais il s'est séparé. Eh, vous avez déjà sauté. Vous êtes rapide. Moi, j'ai flotte rapide. J'adore les flottes rapides. C'est bien. Sauf ok, que bah, je me laisse engager. Pas. Ah, recul, ouais. C'est très bien ça. Oui, parce que je fais à chaque fois. Hein, C'est pour ça que tout à l'heure, le gros, c'est. Oui. C'est ce qui me dit. Voilà. Et il fuit, c'est où c'est moi? J'ai été aggro. Mon titan, bon sang. Aggro, là tu fais trop de... Aggro? Aggro, regarde, j'y vais tout seul. Aggro. Slan. Bon bah j'y vais alors. 23. Planqué. Moi j'y vais. Mais non, bah. J'ai sauté. Mais j'attendais que Kin arrive. Bah ouais, mais... Voilà, il vient d'arriver. Kin, il a eu un peu de mal à... Parce que j'arrivais pas à regrouper toutes mes flottes. Allez, c'est bon, sélectionner toutes. C'est bon, ça saute. Allez, encore une autre flotte, allez. Moi, je filme tout, c'est excellent. Il reste pas un peu de puissance. Il y a des pertes, J'y crois. Allez, ma flotte, là, on y va, bon sang, jump. Allez, je vais débloquer le désintégrateur. 300K. C'est la flotte fédérale qui veut pas sauter. Saute. Il reste quelque chose là. T'as 354K quand la station quand même. Quand je pense que ma flotte est moins puissante que la station quoi. Ouais. Quelle grosse. Allez la flotte. Waouh, ce rayon laser de la mort. Oh, c'est la boîte 15K là, c'est un... le colosse là. Allez. Eh bien, j'ai perdu beaucoup de croiseurs. Oh là là, ce nombre de vaisseaux de ouf. Par contre, j'ai perdu aucune corvette.
Attends, j'ai trop de choses là. Les armes ne touchent pas les corvettes. 213K, c'est quoi cette flotte de PD là? Pourquoi elle fait pas la bataille, elle? Bah, elle arrive. Non, elle est arrivée, la bataille était finie. Bah oui, mais en fait, j'arrivais pas à la faire aller. Voilà. Bah voyons. Voilà, c'est bon. Fini. C'est fait. Allez, retour à la maison. Non, il y a toujours les flottes là. Oh non. Retour à la maison, tu te débrouilles. En même temps, ils vont pas vraiment dans ma direction, hein. Ils sont chez Nelson maintenant, hein. Allez. Ouais, du coup, on s'en fout. Bon. Pourquoi c'est encore considéré comme rouge, là, Polaris? Bon, je viens d'avoir la relique, le sorcier extra-dimensionnel. Parce qu'ils existent encore, je pense. Parce que c'est toi qui as eu la relique, putain. Évidemment. Oh là là, c'est honteux. Ça permet quoi? Eh ben alors, écoutez, en passif, vitesse sublunique plus 15%, et en actif, portée du propulseur de saut plus 100%. Voilà, c'est je viens d'activer, et je peux sauter deux fois plus loin maintenant. Bah c'est bien. Ouais, c'est violent. Je répare un peu, hein. Je refusionne mes débris. C'est vrai que j'aurais pu réparer, ça aurait été cool. Mais réparer où? Bah à Rimac. Mais il veut plus maintenant aller chez eux. Ah. Vous passez par où? Ah ouais, mes flottes sont en train de rentrer en fait. Ok. Est-ce que tu peux réparer quelque part plutôt que de rentrer? C'est pas grave, il est chez Matrice. Enfin, chez Matrice. Non, justement, il est pas chez moi. Hein. Il est pas du tout chez moi. C'est marrant, je peux pas passer. Il est chez Nelson et il m'a rien pris à moi. Alors. Allez hop. Faut aller réparer. Bon, c'est quoi ces vaisseaux là? Ils sont là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Forge. Allez, destruction. Molécule. Bon, j'ai trois flottes qui sont en pleine forme. Et celle-là aussi d'ailleurs. Attends, elles veulent réparer à Alvira, pas avant? Pourquoi? Eh, j'ai 4 flottes maintenant. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de station à nous avant. Oula, non, la fédérale là, qu'est-ce que tu fais? Oh. Tu vas pas toute seule avec tes 200K contre 700K, ça va pas, non? Vers l'amiral. À première vue, c'est un incompétent. Le mec, il y va la fleur au fusil, quoi. Allez! Eh, vous avez pas détruit Polaris? C'est toujours à lui? Bah, c'est ce que je disais, c'est bizarre. Ça compte pas. Bah, c'est parce que... C'est peut-être parce que... On a pas fini les flottes. Ouais. Je pense, ouais. Parce que là, dans Polaris, y a plus rien. Y a plus rien, c'est vide. On va envoyer un petit vaisseau. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Hop. On va envoyer un vaisseau scientifique, c'est rigolo. Eh, vous m'avez vraiment laissé tomber, hein, bande de lâches. Comment non, ça? Il est pas chez toi. Écoute, du coup, c'est... Ça va, c'est tranquille. Il est en train de manger Nelson. Laissez mon chat tranquille. T'inquiète, je vais aller sauver ton chat. Si vite. Allez. Spaceport under attack. Pirate alien. Donc s'il revient à Polaris, il peut réactiver le portail ou pas? Ah ouais, genre il y a des pirates quoi. Je ne sais pas. Voilà, bon. Peut-être. Bon, on le redépopera hein, si c'est le cas. Non, je crois pas qu'il puisse le faire. Déjà, on lui a fait plus mal que nous, on a eu mal. Moi, j'y suis à Polaris, de toute façon, avec la flotte fédérale, donc s'il fait quelque chose, je le défonce. Ouais. Et moi, je suis monté à peu près 700K, là. 750. Alors, toi, donc, tu je vas je pense venir... que je vais aller l'affronter. Projet de recherche, vas-y. Tu vas l'affronter? Tu veux que je vienne te donner un coup de main? Parce qu'en fait, ouais, bah, il a... J'ai 750, il a 1,5 million, donc je cracherai pas sur un petit coup de main, ouais. Surtout que ça compte pas les bases. Je me dirige vers Veldoun. C'est normal qu'il y ait des pirates à 1K, là. Lol. Ouais, moi aussi. J'avais des pirates qui avaient popé, ils se sont fait dépoper par Luffy Xeno, qui avait une flotte chez moi et qui me l'a défendu. Raid contre une station pirate, super.
voilà, la fédérale qui reçoit des renforts. Sûrement Archive qui renvoie des trucs. Ah, je suis tellement faiblard. Mais non, mais non. Pour l'instant, je défends. Ça, je défends Polaris. Hein. Non, mais je compte sur vous pour les poutrer. Le temps que mes flottes. Ah, filme-moi les alliages alors. Les quoi? J'ai une capa qui est descendue à 214. Technology secured. T'as tant perdu que ça? Wow. Ah oui, oui, je me suis fait exploser dès le départ. Bon, petite pause, qui a besoin d'alliage? Vraiment? Moi. Combien chacun? Tu peux monter à. Divise quoi, tu fais moi 40 000. Ouais, je cracherai pas dessus aussi moi, parce que j'en ai 40 000. Ok, bon bah je vous avoue 20 000 chacun, ça vous va? Ouais, c'est bien ça, 20 000. Ouais. Fais péter 20 000, vas-y. Quand ça se fait qu'on a plus d'étoiles que toi, on n'y arrive pas. Il y a pas plus d'étoiles. T'as pas plus d'étoiles que lui, regarde la masse. Et surtout, regarde le nombre de cuménopoles d'alliage que j'ai. Non, non, mais et regarde le nombre de pop également. Il y a 2400, il a 1000 pop de plus que toi. 1000. Même plus. T'as qu'à 1200 pop. Ouais, pour une plante, je suis passif. Hein. Merci. Bah, moi je suis à 1500 hein, en pop, hein. Je peux pas dire non plus. Ça sera 19 hein, pour toi, Féa, parce que j'avais que 59 de plafond. C'est ça, t'avais pas trouvé la virgule. Voilà. Je vais pas cracher dessus parce que des alliages, mais voilà. Mais quand même, t'es hachement déçu. Allez, on est parti. Bah, écoute, j'envoie tout sur Beer et puis j'envoie tous mes renforts derrière à la queue de l'eau. Moi j'ai 4 flottes au lieu de 10. Hein. Moi je défends Polaris. Tu défends Polaris, c'est bien. Moi je vais le frapper de toute façon. Là. Bah non mais c'est en fait j'attends mes flottes parce que mes flottes sont en train de se refaire. Parce que, c'est un peu la misère. Activation des porte-ailes, bah oui. Maintenant tu peux, oui. Allez, c'est lancé, 4 mois. Oh non. Bah franchement, c'est bon, on les a poutrés là, les bidons, il n'y a plus que leur flotte. Allez, je lance la défense sur Raprix, c'est parti. Ça va, il n'y a que 250k, tu vas, c'est bon, tu gères. Ouais, mais il faut les user petit à petit, quoi. Dès que les autres s'éloignent un petit peu, hop. Moi, c'est plutôt les 710k qui m'embêtent. Ouais, mais justement, il a 710k. Moi, ce que j'espère, c'est rattraper les 600 qui sont là. Comme ça, je te laisse gérer les 700. Allez, bah, c'est parti. Si se sépare après, ouais. Bataille à Raprix. Ah non, il vient pas. C'est moi qui lance. Allez, j'envoie. Ah oui, 217k quand même à Polaris. Je vais l'envoyer là. Oh, dépopé en une seconde. Ah bah, c'est pas la même, hein. C'est il bon, fait moins le mariole. Hein. En une seconde. Ah bah oui, voilà. Ah bah oui, mais ah bah bon. Avec le bon refit, allez, on attaque les 600 qui restent. Hein. Je te vois même pas. Si, il est en bas, mais c'est bon. Ah ouais. Vous voulez un lien actif qu'il n'a pas? Non, c'est bon, je te vois. Non, je te vois aussi, oui. Bon bah attends, alors j'arrive, je vais envoyer la fédérale aussi. Ouais, prépare-toi, mets-toi à côté de Xirak. Ouais. Parce que je serai probablement un petit peu fatigué après la bataille de Girtab. Allez. On va ouvrir les porte-ailes. Enfin, je vais essayer. Oh. Ouh, à Girtab, il y a la base en plus. Porte-ailes ouais, nécessaire. 600. Il n'y a pas une porte-aile quelque part. Wow. Ouais, 700k. 700k, c'est parti. On est en route. Allez, on va regarder. On est arrivé. Enfin, qu'ils viennent, t'aggro. Ça y est, c'est parti. Et voilà, ils arrivent. Le combat de Slan, allons-y. La revanche, attends, l'humiliation est maintenant. Allez, c'est bon, ça dépop. Ouais. Oh bah. Slan, il fait que des cuirassés. T'es en train de te les faire tranquille, là, c'est bon. J'avais envoyé qu'une flotte en premier pour être sûr. Pour pas perdre toutes mes flottes d'un coup. Allez, on va faire la dernière.
La flotte de Fédération est là parce que il serait quand même temps que vous preniez votre honneur. Elle arrive, elle va participer au combat sur Zirak. Ouais, bah moi je me débarque vers Rouge Machin. Je suis en position. J'ai 57 pieds qui arrivent tranquille, ouais. S'il me tombe pas sur la tête, ça va. Sinon, j'ai mes flottes qui arrivent derrière, si tu veux être sûr. Elles sont en train d'arriver. Ça va être un peu plus. Non, long. Non, mais y aura pas de soucis, hein, j'ai rien perdu. Ouf. Ah si, j'ai perdu la moitié de la flotte qui était partie devant, quoi. T'es où là? T'es prêt à jumper ou pas? Non. Je vais avancer un peu. Je suis en train de faire la station là. Ça y est, j'ai fait la station. Je me mets prêt à jump. Je suis devant la porte. Ouais, pareil. Attends. Je jump. J'y suis presque. Oh bah. Okay. Mais n'y va pas. Je te dis quand ils amorcent. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Je vais les prendre en tenaille. Syndicats. Ah, ils reculent, pourquoi? Parce que c'est arrivé de l'autre côté. Parce qu'ils vont aggro. Oui. Ils vont dépoper la flotte fédérale. Ça va être drôle. Et c'est Slan qui va prendre des kills. Allez, Slan, c'est le moment. Allez, on arrive. C'était le moment. T'inquiète, j'ai de la portée. On va te soutenir. Ah ouais, parce que moi, ça dépope. Ouh là là. On va te sauver, t'inquiète, on va te sauver. C'est bon, ça va le faire, ça va tenir. Non, oh ouais, ils se font défoncer. Regardez, c'est beau, c'est magnifique. Ce spectacle. C'est la fin des Unbidden. Et voilà. C'est terminé. Ouais. Apparemment, faut qu'on se rende à Polaris. Je te laisse gérer, Polaris. J'y vais. Moi, je suis dessus déjà. Moi, je suis pacifique, hein. Je leur veux pas plus de mal que ça. Je retourne chez moi. Moi et les militaires, hein, on a bien vu, c'était pas ça. Ah, pourquoi il faut retourner à Polaris pour valider le truc? Je sais pas. Mais normalement, on a déjà gagné, je pense. Mais Polaris, je sais pas. On a un truc quelque part. J'ai bondi dessus. Les grous ont bondi sur Polaris. Il se passe rien, en fait. Mais non. Bah non, s'ils y sont, c'est que c'était... Système non revendiqué. Bon, bah, je vous laisse peut-être le revendiquer, alors, pour faire disparaître. Ah. Mais je pense qu'ils sont finis. Une station militaire dans le système. Je veux pas le revendiquer. Elle est où, leur station? Moi, je peux. Je vais envoyer un vaisseau de construction, je vais le faire. Journal de bord, ancre dimensionnelle, construit des sortes de stations spatiales qui jouent le rôle d'ancre dimensionnelle. Est-ce qu'ils ont une ancre ailleurs? Est-ce qu'ils sont apparus ailleurs dans le monde? J'ai lancé la construction d'une station, on verra bien. J'avais déjà lancé la mienne, moi. Ah bon? Je croyais que tu pouvais pas. Non, premier... je pouvais pas revendiquer. Enfin, non, revendication pour moi, c'est ouais. Ah. Alors dites-moi, ces portes-là, elles sont où? Eh ben, je voudrais bien les ouvrir, mais... Chez Tech, je crois. Oui, j'en ai une chez moi. Ah, elles sont pas ouvertes, hein? Ah bah attends, on va les ouvrir. Que... À Béliva. Où ça? Béliva où? J'ai dû avoir un truc qui a popé dans mon journal de bord, attends, je crois. Journal de bord, lama L. Détails sur les portes, ok. Les spontanés, qu'est-ce qu'il faut faire? Accès dimensionnel, encre dimensionnelle. Ouais, je sais pas. Invasion vaincue. Bravo les mecs. L'avenir se lève. Je suis moralement. Pour une fois, je suis en guerre là. L'esprit de la tristesse. Eh ben bravo à la votre fédération qui m'a. Par contre, ça rapporte beaucoup en unité, c'est marrant. Pas comme si ça servait à quoi que ce soit. Bon, encore une fois, on a sous-dimensionné la crise de fin de partie. Il y a une porte L ici. Non, on l'a pas sous-dimensionné, on l'a fait apparaître plus tôt que prévu parce qu'on n'allait pas jouer. Elle serait apparue aux alentours des 2515 à 2520, dans 100 ans. Et jouer 100 ans, ça prend du temps. Non. On avait c'était 2450 et ça apparaît pas dans les 50 premières années. Eh oui, ça qui est triste. T'as pris le système, le FIA? Non, t'es en train de le faire. Bon, ok, dans ce cas-là, je vais kill mon vaisseau de construction. Il va servir à rien. Hop. Je crois qu'on va s'arrêter, malheureusement. Eh oui, donc premier, c'est la matrice. 107 642. Deuxième, c'est Archive. Grande barre de Sol.
Mais Kin, bravo, hein, tu reviens de très loin. Tu viens toi oui, bah, il m'a dépassé, voilà. Kin, bon dernier quand même au démarrage, avec un démarrage catastrophique en forme de grippe. C'est ça. Mais bon. Et même le gros, on aurait joué encore quelques trucs, tu m'aurais dépassé. Non, parce que en fait, je suis toujours sans vrai système, si tu veux. Moi, non, j'ai mais ce qui a tué le gros, c'est qu'en fait, il a vraiment pas vu comment il pouvait jouer en pacifique. Il y a été doucement, il s'est fait très vite enfermer, quoi. Et ouais. Ouais. Et encore que je lui ai donné des trucs. Hein. Ah ben moi aussi, j'en ai marre. Hein. T'as donné parce que je suis peut-être venu aussi taper à une époque, j'étais plus fort. C'est vrai. Ah ben oui, mais on n'a rien sans rien. Exactement. Mais c'était un super multi. Dans la rigueur. Ouais, on s'est bien marré comme d'habitude. On s'est bien amusé. Moi, je dirais un truc aussi. Soyez triste, pleurez, c'est fini. C'était bah non, on peut recommencer en grand amiral x25 contre des essaims dévorants sans la difficulté progressive. Mais peut-être avec plus d'étoiles dans ce cas-là. Et si on fait une petite pause, on réfléchit. Comme ça, ils seront encore plus durs à tuer. Voilà. Et le jeu avancera une journée par jour, en fait. Une journée par let's play, par épisode. Non, non, la petite galaxie, c'est très bien, surtout contre des essaims dévoreurs. Franchement, c'était pas si petit que ça. Ouais, non, c'est bien. Grand amiral non progressif x25 essaim dévoreur. Moi, je dis que ça peut le faire. Mmh. Vous nous laissez des messages dans les commentaires. Avec un maximum d'empire déchu, le grand Khan, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, voilà. Très bien. Eh ben, il faut couper, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, attends. On a survécu, c'était Max, c'était la Fédération, et en plus, c'était ton Dyson. Hein, regardez, j'ai pas fini mon Dyson, malheureusement, j'avais pas assez d'alliage. Ah. Par contre, j'ai fini mon monde de la conscience. Ma capitale est un monde de la conscience. Alors, on va aller voir ça, Zav. Capitale. Par contre, t'es toujours aussi ridicule quand on clique sur ta race, ce petit bruit que tu fais. C'est Roche. Oh, bravo. Hey, regarde comment c'est joli l'effet. Waouh, c'est super beau. Entretien des pops. Mais c'est quoi? C'est ressources produites par les emplois, vitesse de développement des pops. Ah, c'est parce que j'ai habitabilité 0%, moi. C'est pour ça que ça pique un peu. Ce ne sont que des drones. Oui, mais c'est beau. Que des drones. Par contre, j'ai de la dévastation. Et surtout des drones déviants. Bravo. Ah, c'est de la déviance. Ouais, j'ai de la déviance un peu. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était cool. C'était très beau. Moi, j'ai des planètes forges. Elles étaient pas au max. Hein. J'avais mis que 114 mecs à faire des alliages. Et malheureusement, le let's play n'aura pas duré. Sur les 200 possibles. Le let's play n'aura pas duré assez longtemps pour que je puisse terminer la sphère de Dyson. Alors, juste, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Quand même. Ah, ira ça. Ah, malheureusement, on ne voit rien. Tu vois, moi j'avais rien que le niveau, pas encore fini. Il manquait 200 jours pour passer au niveau suivant, et déjà à 1000. Tu vois pas Iras, c'est ça? Iras. Ah, si, je dois pouvoir voir. Tu vas regarder Iras, hein. Alors, le plus oui, je l'avais vu. Je l'avais vu déjà, j'avais déjà été voir. Ce que ça donne une fois fini, ouais, c'est beau. Et t'as le décompresseur à Demon's Maw, la petite pointe en haut à gauche. Alors, Demon's Maw. Tout là-haut. Ouais, lui non plus, j'ai pas le temps de le finir, mais enfin, c'est pas grave. Hein. C'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal, là, j'aime bien. Je trouve joli la structure. Très chouette, qui envoie des rayons dans le trou noir comme ça, là. Ouais, c'est beau. Récupère la matière de l'antimatière. Et donc, du coup, bah, j'ai pas pu ouvrir les portes L parce que je sais plus comment on fait. Et je crois qu'il fallait aller chez c'est TK. C'est pas le mode que tu déclenches directement, t'es sûr? Une fois que t'as tous les 7 points, je ne sais plus non plus. Bah j'ai les 7, mais... Et c'est explorer la porte L dans ce cas-là, ouais, il fallait venir... Ouais, faut aller l'explorer, j'ai pas le temps d'y aller. Ouais, ouais. On a vaincu. Mais c'est pas grave. Et bah tu fais un épisode supplémentaire, tu prends la sève, tu fais un épisode supplémentaire, le bonus. Non. Tu peux, hein. J'ouvre les portes L, rien que pour vous. J'ai déjà fait un let's play avec les portes L. Très bien. Voilà. Donc les gros vous saluent bien bas, en tout cas c'était un bon petit multi. Eh ben merci à Kin, merci à Féa, merci à Tekamon, c'était vraiment encore une fois super cool de jouer avec vous. Ah bah c'est principal. Et ouais, merci à vous. Sauf CA qu'on changera probablement pour la prochaine let's play. Bah on prendra quelqu'un qui a une vue quoi. Je dis ça à chaque let's play hein. Je vais le corrompre, il s'est mis une paire de seins, on va savoir pourquoi. Ah ouais. Bon. Oui. N'allez pas voir Conan Exil sur la chaîne de Tekamon. N'allez pas voir Avorion sur la chaîne de Kin. Ni No Man's Sky d'ailleurs. Tech, il faut que tu passes chez moi sur Conan Exil, tu vas voir une petite. Tu vas voir quelque chose.
Mais carrément, on est obligé de parler de ça pendant l'épisode, là, les gars. Mais allez, oui, on dit au revoir à tout le monde. Allez, au revoir à tous. On espère que ça vous a plu, en tout cas. On espère que ça vous a plu. On a bouclé, on a survécu. Allez, merci tout le monde. Tchuss. Ciao. Salut.